Cette semaine, on vous présente les sorties de l'été. Au programme du sport, un peu de conduite et une promenade post-apocalyptique. Vous allez voir, on va pas s'ennuyer. Tu vois, je te l'avais dit que la plage était éclatée. Madden NFL 20, c'est le jeu de simulation de football américain. Démarrez votre carrière dans le championnat universitaire, faites-vous repérer par les clubs les plus prestigieux et tentez de remporter le Super Bowl. Et dang ! Dès le 2 août, devenez une superstar de la NFL. On vous avait promis une balade, préparez-vous, on risque de ne pas s'ennuyer dans Remnants from the Ashes. Ce jeu de tir à la troisième personne vous plonge dans un monde où règne la haine et le chaos. Hey, on avait dit pas les mamans! Combattez d'innombrables créatures cauchemardesques et tentez de repousser l'invasion. Que ce soit en solo ou en coop, préparez-vous à faire face à la racine dans Remnant from the Ashes. Disponible pour tous le 16 août. Cet été, poursuivez l'aventure des frères Diaz dans le quatrième épisode de Life is Strange 2. Dans ce nouveau chapitre, vivez la cavale de Sean et Daniel vers le Mexique. Après un incident inattendu et une rencontre avec les hippies dans les bois, il a fallu... Raconte pas toute l'histoire! I'm not a kid anymore. L'aventure narrative et immersive de Life is Strange 2 continue le 22 août. Dans Control, incarnez Jesse Faden, une héroïne aux immenses pouvoirs télékinésiques qui peut carrément tout déplacer. Pratique pour déménager! Votre mission? Reprendre le bureau fédéral du contrôle envahi par des forces surnaturelles. Utilisez vos pouvoirs ainsi qu'une arme plutôt originale pour venir à bout de vos ennemis. Attention, ou je triangle isocèle. Le 27 août, reprenez le contrôle. Wouhou ! En accélère avec MXGP 2019. Enfourchez votre motocross, parcourez les circuits et signez dans une équipe officielle de cette saison 2019. Créez vos propres circuits, défiez vos amis et rejoignez une grande communauté de passionnés. Hé, hey, pousse-toi ! MXGP 2019 entre en piste le 27 août. Premier épisode de la série The Dark Pictures Anthology, Man of Medan est une expérience narrative horrifique. Développée par les studios Supermassive Games, cette sombre aventure vous fait voyager à bord d'un navire fantôme en plein milieu de l'océan Pacifique. Ah bah sympa la croisière ! Grâce à un système de choix, influez sur le cours de l'histoire et dans vos relations avec les autres personnages. Parce qu'un bon jeu d'horreur se partage, vivez l'expérience en coopération en ligne ou en local pour deux fois plus de frissons. The Dark Pictures Man of Medan sera disponible pour tous le 30 août. C'est parti pour les meilleures actions de la semaine que vous avez partagées sur Twitter avec le hashtag PS4Cher. On commence avec un nouveau moyen de transport pratique et écolo, l'aigle. Ça, c'est première classe. T'es sûr d'y aller? Il y a un drôle d'animal juste là. Mais ouais, t'inquiète, franchement, ça passe, mais lâche. Bon, c'est parti, je fais l'appel. Benoît, Justine, Damien, Nico. Si, si, on prend sa bouche, Nico. Encore une panne d'électricité. Bonjour, vous sauriez où se trouve le compteur? Voilà, le Playmax est terminé. Pour le mois d'août, nous, on part en vacances. On se retrouve à la rentrée pour toujours plus d'actu et de bons plans. D'ici là, bronzez bien, ciao. Pour passer de bonnes vacances et être sûr de ne pas manquer la rentrée, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer votre cloche. Bing bing.